Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir pour me capable ensemble avec vous encore aujourd'hui, qui c'est jeudi 3 octobre, pour nous étudier ensemble une portion d'études semaine. Non. Et m'a rappelé au semaine ça, nous avons étude numéro 1, 6 indicateurs du chemin. Mais je dis à nous aller ensemble les affirmations de Jésus. Bien avant que nous entrions dans la portion pour journée, à nous prier. Nous bénissons, nous éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça encore continuer à réaliser dans la vie. Nous. Merci parce que vous avez donné l'autre opportunité pour nous capables de jeter un coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu que vous capable d'ouvrir grandement l'intelligence, nous, pour ça nous capables de saisir pleinement l'enseignement sérieux et puis mettre en application. Nous avons mérite dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, me remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études école du sabbat. Je m'en rappelle, chaque fois que vous étudiez, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager l'étude avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de vivre, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, ne vous pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant, étude lancée numéro 1. Signe indicateur du chemin. Verset à mémoriser. Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces textes nous viennent pour nous mémoriser dans l'étude maintenant. Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Aujourd'hui, nous parlons ensemble les affirmations de Jésus. Bon. Nous rappelons, nous avons plusieurs portions déjà qui sont assez intéressantes, mais dans la portion étude, mercredi, nous avons une possibilité pour nous trouver des cœurs durs. Nous avons comment eh bien, chef religieux était opposé complètement avec le travail que Jésus lui-même l'état fait, il était même eh bien, à chercher comploter contre Jésus parce que Jésus t'a fait un miracle dans le jour sabbat. Okay, puisque Jésus t'a guéri un monde qui était malade, surtout un homme qui était bon piscine, qui était gagné 38 ans bon piscine. Ben, monsieur, il n'a pas profité de l'occasion pour te glorifier dans le bon Dieu, mais plutôt il t'a profité de l'occasion pour capable comploter contre Jésus-Christ. Eh bien, les affirmations de Jésus, c'est ça que nous parlons ensemble jeudi. Eh bien, miracle, et tout près de la piscine Bethesda, il y a une excellente occasion avec Jean pour mettre accent sur l'identité de Jésus. Jean prend 9 versets pour capable décrire miracle et il prend environ 40 versets pour capable décrire Sila qui était accompli miracle en parlant de Jésus. Nous parlons ensemble dans Jean chapitre 5. Dans le verset 16 pour venir dans verset 18. On va regarder. Pour qui ça, Jésus lui-même, il était persécuté pour action ça qu'il était posé dans le jour sabbat. Et bien, nous allons regarder qui ça qui était dans l'intention, et bien, chef religieux. Jean 5, verset 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Dans ce chapitre 5, verset 18 là, peut-être les capables dérangeants, parce que nous, notre texte là, apôtre Jean rapporté, monsieur yo dit que Jésus violait le sabbat. Ok? Mais c'est ça yo pensé. Et parce que Jésus pas violé le sabbat. Jésus seulement fait un bagage que monsieur yo pas pensé que Jésus était capable de faire. Suivant compréhension pas yo. Mais c'est pas suivant règlement qui concerne le sabbat, non? Mais c'est selon imagination yo. Yo pensé que Jésus pas jamais fait un miracle dans le sabbat. Et eh bien, pour eux-mêmes, puisque Jésus fait un miracle, c'est violer Jésus, violer sabbat. Ok? Mais ce n'est pas parce que Jésus a violé sabbat en réalité. Cependant,
Si nous regardons plus près, dans Jean chapitre 5, verset 16 à 8, nous avons constaté que Jésus soutenait le travail qu'il fait dans le jour sabbat. Parce qu'il fait nous comprendre, papa a travaillé jusqu'à présent, lui-même tout, et bien, il a pas agi. Il a fait ça, son bagage qui conforme, et dans la relation lui-même ensemble avec papa. Dieu passe pour soutenir l'univers le jour du sabbat. Par conséquent, activité Jésus pendant le sabbat, il fait partie de l'affirmation en tant qu'être divin. Et bien, chef religieux, tu as poursuivi Jésus sous base qui prétend que Jésus viole le sabbat et sur une déclaration que Jésus fait, qui eux même mieux comprendre lorsque Jésus dit, lorsque Jésus fait déclaration, ils comprennent que Jésus égale ensemble avec un bien papa. Kounya la, nous allons regarder dans Jean chapitre 5, verset 19 à 47. Que disait Jésus pour aider les dirigeants à le voir tel qu'il est vraiment? Une affirmation si puissamment attestée par le miracle qu'il venait d'accomplir. Nous allons lire dans verset 19 là, pour nous venir dans verset 47. Jésus reprit la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut faire rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit fait au Père, et tout ce que le Père a fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils conforme, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car le vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il l'a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir ses œuvres, même que j'ai fait, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi
Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Eh bien, nous voyons Jésus défend l'action liée en trois étapes. Tout d'abord, il explique les relations intimes avec papa. Jésus indiquait que lui-même avec papa, il agit en harmonie, au point que Jésus a gagné pouvoir pour capable juger et ressusciter s'il a qui mourit. Deuxièmement, eh bien, Jésus fait appel avec quatre témoins, l'un après l'autre. Il parle de Jean-Baptiste, il parle des miracles qu'il a accomplis, il parle de le Père et puis il parle de la Bible. Eh bien, chaque témoin, ça, il aura un témoignage en faveur de Jésus. Enfin, dans Jean chapitre 5, verset 40 à 47, Jésus pour le présenter accusateur lui, propre condamnation. Il révélait le contraste entre ministère avec égoïsme qui a dominé la vie. Leur condamnation, dit-il, est venue de Moïse. Condamnation venue de Moïse. Parce que Jésus dit c'est Moïse qui condamnait. Et bien, il dit celui en qui il avait placé leur espérance. Et bien, ils étaient croyants dans Moïse, ils n'ont pas croyants dans lui. Jésus dit bon, et bien, si c'est comme ça, c'est Moïse qui condamne nous parce que Moïse lui-même tout, il était écrit à propos de nous. C'est-à-dire, si nous croyons dans Moïse, nous avons de croire dans moi-même. C'est comme ça, Christ lui-même, lui parle. Et à nous réfléchir ensemble, comment pouvons-nous faire attention à ne pas tomber dans le piège de croire en Dieu, même en ayant des doctrines correctes, mais en ne nous abandonnant pas pleinement à Christ? Faut nous éviter de tomber dans le piège ça. Parce qu'il y a un pile dans nous qui croit dans le bon Dieu, et qui croit dans la parole. Qui croit en parole bon Dieu, mais qui pas abandonné complètement avec lui-même. C'est-à-dire, nous croyons en partie, mais nous pas abandonné nous complètement avec lui. Ok? Ça, il cause des problèmes parce que nous, hein, chef religieux, ils te croient en bon Dieu. Ils croient en sa Moïse, c'est écrit, mais ils pas croient en Christ. Parce que Christ, c'est lui-même qui point central Bible. Ça veut dire, nous, hein, dans qui piège, monsieur, même tombé, Jésus qui se sauveur, ils pas croient en lui. Mais ensemble avec vous, on fait en sorte que nous croyons dans ce qui est écrit dans la Bible. Et nous, Jésus reproche parce que vous croyez dans Moïse, vous ne croyez pas dans tandis que Moïse écrit à propos de Christ. En plus, fois, moi, ensemble avec vous, nous quittons égoïste, nous, pour nous aller. Et bien, on fait en sorte que, moi, ensemble avec vous, nous capables de croire et bien, dans Christ comme étant sauveur, de façon pour que moi, ensemble avec vous, nous capables d'hériter la vie éternelle que bon Dieu libre nous à travers Jésus-Christ. Les affirmations de Jésus, c'était une portion d'étude pour aujourd'hui. Bien avant nous aller, on nous prie. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation de la parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre davantage l'instruction sérieuse et puis mettez-nous en application. Retenez ensemble avec nous, nous ne pouvons pas mériter, mais Jésus nous prions. Amen. C'est déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.